Suivez du lundi au vendredi des 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole Masla Palé, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ses éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Téléclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Pendant le week-end, non? Eh bien, yo avancé. Yo avancé. Et nous avons un bon bout de temps. On a décrit surtout vendredi à Vladimir. Et information yo qui j'en. Et il y a des avancées qui fait. Et CARICOM souterrain. Et dialogue yo a continué après vous suivre. En général, il y a plusieurs propositions sous table. Il y a plusieurs propositions sous table. Et ça fait nous allons recevoir des acteurs clés juste avant nous communiquer des informations que nous gagnons. Yo même qui dans la réalité, nous allons regarder avec nous. Invitez-nous et nous allons regarder rapidement. C'est l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Nous allons regarder qui sa question à lui-même. Position aidée dans le cadre de dialogue qu'a fait là et qui vient avancer. Premier ministre Claude Joseph, son plaisir pour nous gagner. On est en micro Vérité Radio Télé Éclair pour matin. Comment nous y est? Bonjour Telfort et merci pour l'invitation. Non pas plus mal. Donc, salut tout auditeur, auditrice et puis internaute également. Après garder tendu. Nap goumen. Nous obligé goumen oui là. En tout cas, alors PM nous obligé. Nap garder. Alors tout d'abord, actualité a, c'est que toute semaine dernière, nous avons gardé question hein, CARICOM qui rentre dans pays a. Et CARICOM qui vous t'a dit sur le terrain, un ensemble de bagages qui a avancé dans dialogue, c'est on l'autre tentative. Alors, qui j'en a position aidé sous avancement dialogue, yo? Qui s'allie, qui lecture qu'au fait de situation ou même personnellement? Bon, et d'abord pour visite CARICOM dans le pays, et pour qu'on gagne une négociation, et réellement. Pour qu'on gagne une négociation? Non, pour qu'on gagne une négociation. CARICOM a rencontré, et pour la plupart de façon individuelle, avec des partis politiques, des regroupements, tant qu'on est des Montana, collectif là, etc. Nous-mêmes, on a aidé, on a rencontré avec nous et nous fait 3 heures de temps, on a échangé sur méthodologie, sur de l'autre aspect. Nous-mêmes, on a aidé, nous exprimer préoccupations. Nous, d'abord, avant même nous rentrer dans la négociation, nous exprimer préoccupations, nous, particulièrement sur ça qui vient à ouais à dossier et de justice pour président Jovenel Moïse. Donc on est juge d'instruction invité premier ministre Ariel Henry pour l'al répondre question et devant sous sa gain ouais à événement 6 pour 7 juillet 2021 et donc assassinat président Jovenel Moïse. Donc on est également que premier ministre systématiquement refusé présenter devant juge là. Donc, nous mandons éminente personnalité CARICOM pour encourager le Premier ministre là, pour la répondre à la question de la justice. Et puis, nous même aider, nous capables de garder définitivement sous question et discussion, sous question négociation. Donc, c'est un préalable, nous et poser son préalable à la discussion parce que nous pensons effectivement le Premier ministre et qui a fait obstruction à la justice une énième fois. Pas oublier, c'est Premier ministre, M. Ariel Henry, qui a révoqué Bedford Claude, parce que Bedford Claude a écrit Digicel, lui a demandé le lien qui gagnait dans l'appel téléphonique entre Badio et Premier ministre. N'a pas songé que Premier ministre a révoqué Mano Minitari, ministre de justice, la Rockefeller Vincent, parce que dans le conseil des ministres, que moi-même, moi était là, et Rockefeller Vincent mandé M. Ariel Henry pour aller répondre question la justice sous implication présumée
quoi rapport de CPJ a montré et la mort assassinat président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Donc, si M. Ariel Henry Pavlé refusait systématiquement aller devant le juge, là, qui donc a fait obstruction à la justice, a entravé l'enquête là, donc, nous-mêmes n'a aidé nous-mêmes n'a aidé nous inconfortables pour nous chita à négocier avenir pays avec un monde qui a fait obstruction à la justice. C'est la première préoccupation telle fort que nous exprimer. Deuxième préoccupation telle fort. Alors, par contre, je vais une question sur ça, mais pour on met avancer. Deuxième préoccupation telle fort, c'est évidemment échéance qui a privé ce nom-là, qui c'est 7 février 2024 là. Et c'est Monsieur Ariel Henry qui était signé, qui était adopté un document en Conseil des ministres, qui était publié dans le Moniteur. Donc nous demandons groupe éminente personnalité yo, est-ce que présence là, c'est pour nous signer un troisième accord avec Ariel Henry pour nous dire puisque il t'a bien gouverné pays là. Et mais en récompense, nous, dans le troisième accord, ça nous dit que c'est le cas pour le ministre encore. Donc, moi, je pense que de ça, préoccupation ça, c'est des préoccupations d'ordre technique qui part et expression de caprice personnel ou bien de caprice de groupe, mais c'est de problèmes techniques. Et groupe éminente personnalité, yo, t'es accueilli et ça, yo, et nous sommes capables de presque rester et nous sommes capables de dire devant la question de justice là, moi dis est-ce que vous même dans le pays, vous pouvez vous faire obstruction à la justice, capable de décider à négocier pour le capable Yon l'autre bon, il y a des informations que nous même nous gagnons, il y a des avancées, vous êtes capable de dire que suivant l'autre acteur qu'on parle avec vous, qui a fait, nous parlons là de documents ça, dispositif transitoire de gouvernance pour les élections libre et équitable, justement, c'est sous lit et il n'y a pas avancé. Au Cap-Ciné, des noms de monde qui n'a pas avancé avec Dialogue Sario, Jonathan Powell, qui est même avancé, secteur privé, OPL Lavalas, qui met des têtes ensemble, qui prépare les documents, ça qui travaille sous lit. Et où senti direction, c'est l'allié. Et il y a des gens qui dit nous tout, et des sens écarté dans la question ça, puisque nous positionnons en l'éclair, c'est sous départ Ariel Henry, l'opin de groupe Montana. Donc nous yo est-ce que quelque part nous il dans sa cafette là ou bien il a pas avancé sans nous. Bon et d'abord et moi je dis tout à l'heure et tel fort que nous fait trois jeux de temps on a échangé avec Idée en particulier a échangé avec groupe éminente personnalité Caricom yo qui donc nous et dans dynamique négociation en fait pas négociation pour méthodologie pour question de négociation maintenant effectivement même Jaco il y a un document qui a circulé sur réseau yo et document ça c'est un document là regardez là l'île où est il renforcé et pouvoir personnel total monsieur Ariel Henry parce que lui dit une espèce de exécutif bicéphale avec Ariel Henry mais effectivement Ariel Henry c'est lui-même qui a seul mais des seigneurs c'est ça qui dans gouvernement et c'est ça qui dans document qui dans main là docteur Claude Joseph document ça pas gagne dans nous dans et signataire déclaration conjointe Kingston yo qui reconnaît lui qui valide l. Ah nous même signataire déclaration Kingston yo nous pas dans document ça nous pas là dedans du tout. Non nous pas reconnaître document ça. Mais docteur groupe BM pas participer dans et conception. Donc mais groupe mon groupe BM groupe mon ça yo un moment oui m'a pas parler connait. Et document ça nous pas participer dans élaboration et conception. Et document ça pas même en discussion donc moi pas comprendre gain deux monde qui a dit gain avancé qu'a fait puisque nous pouvons même arriver dans question document nous et seulement à exprimer des préoccupations par exemple préoccupation idéa moi pense quel que soit koto chita sur bon table ou d'accord un premier ministre qui a fait obstruction à la justice et mais faut la répondre question juge là pour nous confortable pour chita avec pour nous et discuter. Et on va penser dans jour qu'a vienne on va encore casser sans nous là avec document ça
Bon, et nous-mêmes, nous croyons que les acteurs, c'est deux mondes qui lucidieux, et bien particulièrement les mondes qui signent une déclaration à Kingston, qui gagnent toute partie très représentative au Conseil. Donc, eux-mêmes, ils ne pas reconnaître le document ça formellement. Et ils n'ont pas souscrit à et capable de dynamique et renforcer le pouvoir personnel à Ariel Henry. Donc, mais ça document ça a fait. Document ça, c'est même gens et il semblait tête coupée avec accord 21 décembre 2022 que Ariel Henry pas respecté aucun engagement que le décision yo. Mais PM, accord 21 décembre 2022 à CTA gagné de pouvoir. Et Ariel Henry pas de canon mais conseil BRA sans pas consulter et parti pour CTA de participer là-dedans. Donc c'est un document m'étais capable de dire réchauffer et bouillon réchauffé que vous présentez avec protagonistes mais quoi c'est sur internet là que moi-même moi plus sur Welly donc on va participer là dans les et pas gagner des avancées qu'a fait ce document ça qui mais gagne monde qui capable dire comme ça bon si réellement tu as un groupe comme ça qui sorti un document est-ce que vous ne pouvez pas être un petit casse intelligent, les regarder la position de l'international dans le dossier ça? Il dit, au lieu de faire le temps passer, il dit, bon, on regarde les pays habitants, on regarde comment on avance. Oui, mais document n'a pas lié à comment parler. Comment parler essentiellement spéculer sur lui. Mais document et on parler à son document qui renforce le pouvoir personnel, acte total, M. Ariel Henry. Et qui récompense le parce qu'il t'a bien gouverné. Oui, renforcé pouvoir, donc, mais là, regardez tout. Football en 2 ans, comme il fait 4 ans, environ 5 ans dans cette pays, comme un monde qui n'est pas élu. Mais on regarde les déclarations Marie-Isabelle Salvador à tout. Comment? On regarde les déclarations Marie-Isabelle Salvador, chef binuyan, qui dit que pas de l'autre transition encore. Oui, oui. Mais quoi est que ouais et vous constatez, donc, aider écrit secrétaire général Organisation Nations Unies, M. Guterres, pour lui exprimer consternation, mécontentement face à déclaration groupe Onyette, Madame Salvador, qui c'est une ingérence totale dans l'affaire interne BIA. Qui est en contravention avec la Convention de Vienne qui est signée en 1961. Donc, vous pensez que la déclaration ça qui fait là, elle fait derrière Guterres? Nous ne connaissons pas si elle fait derrière Dole ou bien pas derrière Dole, mais nous disons que c'est en violation à normes diplomatiques qui dit mais comment un diplomate qui est accrédité dans un pays doit agir. Donc, il faut que lui pas fait des déclarations intempestives et pour lui mettre, pas oublier que je dis en pleine négociation. C'est-à-dire que l'international là, il a préconisé une solution à l'haïtienne. Eh bien, c'est déjà allé à contre. Alors, également, EPM, il y a l'ambassade américaine qui est sortie, qui dit non, pas rater l'occasion ça. Oui, moi pense que acteur yo li important pour saisir toute opportunité qui présentée pour nous joindre un dénouement heureux à crise là. Donc quel que soit et ça c'est pour moi-même un conseil salutaire à tout le monde qui a participé mais ça qui dit pas gagner on l'autre transition ou bien etc. Moi, pensais que son déclaration interfestive qui allait en contravention avec convention de Vienne. Pour ne pas conclure rapport diplomatique pays à pays. Mais tout PM. Multilatérale. Pendant on condamne ça, mais on a d'accord avec tout que c'est nous même acteurs en Haïti qui écoutez entendre nous déjà pour ne pas venir faire ingérence là caille nous. Bon, écoutez, nous avons dynamique côté que et non démocratie. Il y a un groupe monde qui pas d'accord que M. Ariel Henry concentre tout pouvoir en bas main. Donc, c'est une dynamique qui est claire. Il y a des acteurs, qui sont des démocrates qui sont conscients, qui disent que ça, c'est un danger
à qui démocratique que nous t'ai construit à partir de 1986. Un groupe monde qui dit pays a mal marché, mal gouverné. Donc c'est normal pour yo camper, pour yo mander monsieur Ariel Henry pour le temps de la raison. Pas gen un qui mal dans ça et aux États-Unis gagne une opposition. C'est normal. Et dans pays dans tout pays démocratique gagne des oppositions. Donc et c'est normal, il inscrit dans une dynamique démocratique parce que je dis à nous toutes fois nous d'accord que et monde qui jeune dans pays avocat, ingénieur, docteur, agronome a quitté pays à papier les papakettes parce que gouvernement ça li détruit l'espoir. Donc c'est normal pour gagne un groupe monde conscient qui mandé faut nous retourner bay jeunesse pays à espoir et gouvernement ça c'est fort que tant de raisons parce que après 2 ans et pas gain aucune volonté, pas gain aucune capacité pour changer situation. Voilà, voilà. Alors pour nous conclure, nous rappeler que position aidée, on t'a dit position aidée claire sur question A, c'est bien entendu, c'est que un fort que premier ministre lui-même qui est non cité dans affaire et assassinat président Jovenel Moïse là, faut que là répondre question la justice par rapport à situation ça, faut que eh ben nous pas qu'à font avancer là pour n'al bay Ariel on l'autre mandat par rapport à ça qu'il était déjà fait 2 accords qui pas respecté. Donc pas gain possibilité nous même nous clair dans aider pour nous chita parler avec Ariel Henry tout temps condition ça yo pas réuni. Bon, nous même nous de bonne foi nous sous table là, mais gagnent un problème technique qui doit résoudre problème technique là. Monsieur Ariel Henry, il est invité par le juge d'instruction qui a instruit dossier sur président Jovenel Moïse là et assassinat président Jovenel Moïse là. Donc nous mandé pour et à le répondre parce que le refuser catégoriquement à le répondre. Et là nous dit éminente personnalité ou ça, yo d'accord avec nous, c'est un véritable problème qui doit résoudre. Et ça nous mandé yo ou pas penser c'est montrer ou monter d'accord tout. Non, c'est yo d'accord avec nous, yo d'accord que et essentiellement premier ministre pas gagne pas avancer même. Et là-bas là l'anti a dû oui. Yo d'accord c'est... et puis non l'autre boy nous gain Dubaï qui a pas avancé. Pas gagne non pas gagne qui a pas avancé. Si on c'est peut-être gagne monde qui beaucoup de pouvoir qui a alimenté de mauvaises informations. OK. Fait un point que gon bagaille qui a pas avancé. Pas gagne avancé. Parce que yo même PM nous va quitter aller gien moun ki kapab di konsa gade Jean wap mande PM Ariel Henry pour aller répondre question la justice et wa di bon mais c'est sous administration Paul là que Jovenel Moïse mouri et est-ce que là on pas gon pas de responsabilité tout pour ta répondre question la justice tout. Bon et mais si vous c'est journaliste ou poser une question faut qu'on informer moi al devant juste informer PM informer excusez non pas informer parce que moi même informer PM m'a bien content informer ah OK m'a tout fait ça merci. Moi-même, mal devant juge instruction Gary Aurélien, mal devant juge ça déjà 2 fois. Oui, nous connaissons tout ça. Excusez-moi, moi rete dans le pays pour mal répondre question autant de fois que possible. Et c'est tout le monde qui était dans le gouvernement Pamelin qui déjà passé devant juge là qui a répondu question. Donc, c'est normal puisque moi-même, moi était dans le gouvernement. Même si tu gagnes, on t'es capable de dire on confusion. Donc vous mettez ou à la disposition de la justice. N'importe qui là où t'as invité ou encore nos 4 dossiers ça ou là pour répondre. Justement et c'est pour ça moi-même moi encouragé et groupe éminente personnalité yo pour yo demander Monsieur Ariel Henry qui voulait faire on l'autre 2 ans ou 3 ans là encore et mais avant toute négociation. Pour aller répondre question la justice parce que invité parce que nous-mêmes nous pas qu'on a question démission Ariel Henry ou pas démission non dans cadre série de négociations ça il faut clair pour qu'on ait acteur dans 21 et qui déclaration Kingston qui croit parler de démission ou pas démission évidemment c'est position nous un bon temps de cela mais c'est pour ça qui sous table là ça qui sous table là c'est un ensemble de conditionnement pour nous commencer de bonne foi négociation. Et je voulais que le clair, parce que moi, j'ai effectivement un pile rumeur qui dit qu'il n'y a pas avancé, mais qu'il s'est fait, etc., par le grand accord. Nous-mêmes, déclaration Kingston, qui ont un paquet de monde qui signe une déclaration ça, eh bien, nous pouvons avancer réellement sur négociation, sinon, nous avons gardé comment nous allons commencer négociation. Pourquoi il y a une négociation? Non, pourquoi du tout qu'une négociation, c'est peut-être ça
qui est confusion dans la rue, parce okay. que moi, ouais, une série de postes pour qu'on ait une négociation mm-hmm. et aider particulièrement poser en condition. Et M. Ariel Henry, juge l'a invité, l'a refusé systématiquement, catégoriquement à répondre à la question de la justice. Mm-hmm. Nous dit, M. Ariel Henry, pas qu'à faire obstruction avec la justice, il prend refuge d'aide au pouvoir et puis il a besoin de négocier pour qu'il y ait pouvoir. Donc mm-hmm. nous-mêmes nous dit, M. Ariel Henry, pendant 2 ans là, il prend refus, son fugitif, mais il caché derrière un pouvoir. Il n'est pas qu'à cacher derrière un pouvoir. Il n'y a pas qu'à faire obstruction avec la justice, il n'y a pas qu'à faire entrave avec enquête là, et puis le besoin de négocier avec elle pour nous signer un troisième accord, pour nous battre tête pays pour l'autre 3 ans ou bien 2 ans encore, qui fait 5 ans environ sans le battre dans l'élection. Mm-hmm. Donc, ces mm-hmm. conditions ça à nous poser, mm-hmm. nous pour qu'on ait question d'émission. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Merci, PM. C'est moi pour remercier au téléphone mm-hmm. et c'est moi pour remercier l'autre ami en tout, voilà. que me pas rappeler mon nom, mais c'est Vladimir Désir. Vladimir, merci. Voilà. D'accord. C'est merci donc, Vladimir. Voilà. C'était donc le premier ministre, l'ancien premier ministre, c'est Claude Joseph. Alors, ouais, lui. L'autre a collé encore l'autre là. Si pas ça. L'autre a collé encore l'autre là. Voilà, vous voulez sur la justice. Alors, ce qu'on fait passer sous vous. Sous vous, il passe, oui. Et puis, jusqu'à présent, vous avez la voix au chapitre, pas un pays de jour. Il a le répondre, lui-même. Même l'autre a le répondre. Mais je vais inviter là-bas. Et sous vous, oui. Sans quoi responsabilité ça, oui. Si je l'ai invité là, il a le répondre. Qu'est-ce que ça résout? Qu'est-ce que ça résout? Si on évite l'encolo. Non, mais nous n'avons pas de problème. Je sais faire. Tout le monde connaît que je sais faire. L'Italie, c'est avec, différent. C'est de... avec velléité. Non, faut... alors faites faire équilibre dans ça, oui. Qui est différent de l'invitation. Ariel l'a invité jusqu'à présent, par un exil. C'est pas qu'il y a des procédures pour inviter le Premier ministre. Non, le juge l'a fait ça pour le faire lui-même. Il respecte les procédures, mais jusqu'à présent, ouais, côté de la bloc, vous comprenez. Pas qu'il y a une invitation qu'elle est. Ariel n'arrive pas à répondre. Donc, si monsieur était une velléité comme PM, pour le répondre, il a parlé. Ou pas c'est pays sérieux. Il différent de l'autre à pays sérieux. Avec des questions, il m'a passé. Est-ce qu'on pense que pays sérieux, c'est Claude Joseph qui tape là, au devant de la scène? Non politique, et puis on a dit que faut Ariel Henry répondre question. Oui, il faut la répondre question. Mm-hmm. Oui, il faut la répondre question. Parce que pays sérieux, vous pensez que c'est Claude Joseph, il va mieux placer. Ou pas mieux placer. C'est le premier ministre, t'es, oui. Suivez du lundi au vendredi, de 8h à 10h AM, Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole Masla Palé, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ses éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.